On va voir derrière comme il est. Ouais, propre. Ça, c'est ma photo, ça. Point settings, parce que tout le monde demande tout le temps. Shutter speed à 500, f5.6, auto ISO. Tu vois, là, on va montrer à tout le monde que même sous la pluie, on peut faire des super photos. Et que c'est pas une excuse pour pas faire des photos. Arrête de regarder ça parce que les gens ils pensent que je fais l'exposition à l'œil. Et là. La boussole pour éclairer. Et là, et ben tu niques le mythe en fait. Ah, vous voulez une photo? Avec plaisir. Ouais, ça me fait. Ben émoji. Ah non, juste la photo. Putain, ça prend rien là. J'ai froid aux mains là, tu casses les couilles. C'est horrible, priorité ouverture, parce que c'est pas que c'est horrible, mais là la vitesse c'est trop important en fait, en fonction de comment tu marches et tout. L'ouverture, sauf si tu veux faire un vieux truc artistique, mais au 28, de toute façon le bokeh et les trucs ils sont nuls, tu vois. Mais du coup, ouais. Oh quel baiser. Mais monsieur, vous êtes beau. Vous êtes cagoule. C'est sûr que les gens ils vont le regarder en mode c'est qui la resta. Va falloir vraiment aller chercher les photos mec. Pas de place au hasard là. Il n'y a jamais d'hasard en photo. En caisse, je l'ai fait au Kenya moi. Ouais, au Kenya j'ai fait cette photo en caisse. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était un pays, à l'époque c'était pas très sécure parfois tu vois. Donc on devait rester dans la voiture. Et donc j'ai shooté grave en voiture. Et franchement, je crois qu'il y a un nom hein, à cette pratique-là, il y a un nom. Hein. Tu vois, je vais peut-être essayer là, vu le setup, de shooter d'un peu plus loin, de faire des scènes un peu plus de loin. Ça va être sympa. Et en fait, il y avait de l'eau là, là ici. Ouais, je pense que... Non, bah non, c'est pas hermétique, parce que tu peux faire des trucs quand tu mets dans du liquide. Ah oui. Ouais. Donc, non. Tu penses qu'on est rentré dedans? Thierry, regarde. Oh, Thierry, regarde-nous. Ouais, là ça sert à rien en fait, là t'as vu l'argentique là, ça sert à rien. La pellicule elle vaut tellement cher que j'ai pas envie de niquer une pellicule pour ça, t'as vu, donc je préfère prendre ça. De quoi? De quoi? J'ai oublié de ma vitesse. J'ai oublié de setup ta vitesse. Ouais, bravo. C'est comme ça. Mais monsieur, vous n'êtes pas un professionnel. La photo de la journée, elle est là-bas, ouais, je pense. Traverser en avant, c'était bien parce que tu arrives à avoir les gens de face, t'étais le seul et tout, tu fais ce que tu veux quoi. Regardez cette technique de. Et en fait, tu regardes comme ça, regarde comment. Excusez-moi, pardon. C'est vrai? J'ai pas raison, ouais. Là, j'ai mal mis, là, j'ai mal mis. Bon, là, ça va, celle-là encore, tu vois. Facile, tu dirais ça. Mais en plus, tu sais, là, on peut vraiment forcer les gens à aller là, tu vois. On fait un gros bloc, tout le monde va venir là, et on a juste à attendre le moment. Vous voyez jamais sur YouTube parce que Tristan il veut pas que ça soit sur la chaîne. Ouais. Et c'est un truc de ouf comment c'est vite. En fait le truc c'est que quand tu prends des photos comme ça, surtout au 28,
quand c'est vite comme ça, en fait, tes photos elles deviennent vite pas ouf parce qu'en fait, bah, t'as du vide derrière en fait. Et donc, c'est une session un peu bizarre. Moi, je rêve de voir une chute en live. Là, j'y pense tout le temps. Un truc en live et d'avoir le moment où, tu sais, c'est grave. Genre... C'est mon rêve. On va arriver rue de Rivoli, c'est chez toi, Thierry, là. Tu l'excuses. La rue que je déteste le plus. Rivoli? Ah ouais. Tu veux tout le temps y aller? Parce que je suis sûr, parce que, hey, ah ouais, hey, c'est bon quoi. Merde. Hey, la rue la plus impersonnelle de France. Mais aujourd'hui, je vais prendre la meilleure photo de toute ma vie. Est-ce que c'est celle-là? Je ne pense pas. C'est joli. Qu'est-ce qu'elle fait? La naze. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Make me sway. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water. J'ai une batterie qui est entamée, je vais voir, parce que j'ai plus de batterie là du coup. Donc je vais voir si ça passe. T'es un petit peu le petit gars entamé toi. Ouais, le petit gars entamé, ouais. Moi c'est le petit gars entamé. Ça veut dire quoi entamé? On va où? Là où j'espère mes photos finiront un jour. Yellow corner. Trois versions. Elle est bien, tiens. Trois styles différents. T'as vu celle-là? Ah, c'est... Tiens, j'ai fait tac, 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 tac. Est-ce qu'elle est bien? Et oui, et t'étais là pour niquer la photo derrière. Voilà. C'est vrai. Je pense pas que ma photo va lui rendre hommage. Elle est collerie de ouf. Moi des fois quand je vois une scène, quand je veux faire à l'œil, je le pré-règle avant. Ouais. En fait je me mets une distance, je me dis bon là je dois être 1 mètre, 2 mètres, donc je fais ça. Et après dès que j'arrive, non même pas en zone focus, c'est en mode comme ça, dès que j'arrive devant lui, j'ai juste à bouger un tout petit peu. Ouais. Tu vois? Tu vois, je suis pas devant lui en train de chercher le truc en fait, tu vois. Ils sont beaux, tu veux dire. Hein? Ah non, c'est cool, les cheveux. Il va envoyer ça au queue. Je pense. Ah, tu connais? Vous voyez me demander à bonne fois un photo de mon chien et quand tu le manges.